les gosses, comment ça va les amis? Moi, impeccable, petite introduction, petite folie pour mon retour des vacances. Oui, ça y est, c'est fait, ça va reprendre très sévère les tutos. Les tutos pour une fois, oui, je suis parti en vacances. Lorsque vous êtes rentré, voilà, ça fait du bien. On va reprendre sérieusement les tutos. Là, où le jour où tu écoutes la vidéo, on est jeudi, il va y avoir un tuto que vous m'avez demandé pendant que j'étais en vacances. J'avais mis un passage de « Como tu, como toi » de Jean-Jacques Goldman, version Gypsy. Je vais tout raconter dans une vidéo tuto et elle sort vendredi. Donc, si tu regardes la vidéo le jour même jeudi, elle sort demain, je pense, 18h. Il y aura beaucoup d'accords, beaucoup de barrés. Après, on va enchaîner là pour octobre, novembre, décembre pour finir bien l'année. Beaucoup de tutos qu'il n'y a pas trop sur YouTube. C'est-à-dire beaucoup de tutos Ricao. Vous savez très bien que mon jeu s'inspire beaucoup de la main droite de Ricao qui est très riche en compas. C'est pour ça que je l'aime, ce grand monsieur. Il y aura aussi beaucoup de tutos de chanteurs que vous ne connaissez pas vraiment espagnols. Parce que j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup de rumba, rumba flamenca, vraiment d'Espagne, des artistes espagnols, comme par exemple la famille Cortés, Lynn Cortés et son frère aussi. Uña y Carne aussi, un groupe. Il y a Miguel Campello aussi. Enfin voilà, si vous connaissez un petit peu, c'est vraiment de la pure rumba espagnole, très enrichissante et très rumba, bien sûr, très hispanique. Et bien sûr aussi, je vais regarder tout ce que je n'ai pas fait des Gypsy Kings, des chansons moins connues, moins populaires, peut-être moins, on va dire, entre parenthèses, tubes, mais qui sont très, très jolies, que ce soit des slow ou des fiestas. Donc ça, ça pourrait être très intéressant. Aussi, pourquoi pas, toutes les lignes de rythmique, d'accord, pour les solos aussi. J'avais fait Pharaon, on pourrait faire Alegria, Muria, Tampa. Enfin, il y en a plein d'autres, ça peut être pas mal des idées. En tout cas, on va passer une petite étape sur ce octobre, novembre, décembre pour finir bien l'année 2024 en rumba avec toujours des nouveaux projets aussi car je vais apporter sur octobre, novembre, décembre. Dès que j'écoute un nouvel album, on fera en vidéo l'étude des chansons du nouvel album. Comme ça, ça vous permet de découvrir des artistes espagnols. Les critiques et les réactions dans les commentaires, ça peut être pas mal. Des bonnes découvertes, on ne va pas écouter toutes les chansons, ce sera à peu près 20 à 30 secondes, un peu de couplet, un peu de refrain. Et par exemple, on pourrait commencer sur un album qui est sorti l'année dernière, le dernier album de Ricao aussi, que j'adore, qui est très bien. On pourra faire beaucoup de tutos sur Ricao, sur son dernier album aussi. Et puis bien sûr, en commentaire, vous cartonnez toujours en commentaire, ça fait plaisir. Je réponds et je fais des tutos grâce à vos commentaires. Il n'y a pas longtemps, là, on m'a demandé une chanson de Gitano Poeta et Quédate aquí de Gypsy King. Eh bien, pourquoi pas mettre dans la liste. Voilà les amis, je suis très content. On est en pleine forme. Toujours les covers continuent sur la chaîne. Que ça soit aussi sur TikTok, je vais mettre beaucoup de covers. Je crois que je vais même recréer un TikTok pour que ça soit séparé peut-être. Un TikTok Christo Mascaro tuto guitare. Et un TikTok vraiment que des covers. Des petits passages de covers, couplets, refrains de moins d'une minute de temps en temps. Ça aussi, où je mets ces passages-là aussi dans les shorts aussi sur YouTube. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Et des lives avec Nieto qu'on rigole, qu'on perd la tatane, la chancla, qu'on la perde aussi. Ça, c'est pour ceux qui ont regardé des lives. Voilà, je vous remercie à tous. On est à plus de 8000 abonnés. On fera un live avec Nieto si on passe les 9000 abonnés. Et les 10000, je ne vous raconte pas où c'est qu'on fait le live. Ben, je ne sais pas. Ben, à vous de me dire. Non, peut-être la style musique. Ça pourrait être pas mal avec Xavier, toute l'équipe. Elle est pas mal, celle-là, comme idée. Bon, on verra ça. On verra. Les vidéos aussi à style musique. Oui, avec Xavier, Gérard, Manu. Ça va reprendre aussi. Découverte de nouvelles guitares. On a fait toutes les Alhambra flamenca à la série. Elle est pas belle, la vie. Maintenant, je vous laisse. Comme on dit sur la fin, attention. Ouais, je vous donne un peu de soleil pour ceux qui n'en ont pas. Mais, un abrazo!